Ouais, survivant, bienvenue sur VLFR.gaming. Bon, on se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le nouveau skin event. Donc, déjà, pour commencer, les packs. C'est un skin event normal, on a l'habitude, c'est nos packs normal. J'ai pris les 5 premiers packs, donc avec le cadre. Là, ils nous ont mis Plasma Speed Up, on n'a pas de fragments. Sans item, le deuxième, on est sur du 114, 47... 216 plasma, 90, 510, 212 et le dernier 960 et 400. Ensuite, c'est les packs où je suis vraiment pas fan. Voilà, c'est uniquement pour le skin event et 265 accélérateur. Ensuite, attention, c'est un skin event différent, nouveau. Il y a plusieurs choses. Donc, vous avez les packs. Pendant ce skin event, vous avez possibilité de gagner le skin event, le skin, simplement en rechargeant. Vous avez 14 jours pour recharger. En 14 jours, vous devez recharger pour 400 000 biocaps. Donc ça fait un pack légendaire, c'est 50 000 biocaps. Vous devez prendre 8 packs légendaires, en tout cas l'équivalent de 8 packs légendaires, et vous avez votre skin, tout simplement. Vous n'avez pas besoin de jouer le ranking ou le skin event. Ensuite, vous avez possibilité de gagner une deuxième fois ce skin, tout simplement dans le skin event normal avec le ranking, ce qu'on a l'habitude de jouer. Ici, tout simplement, vous avez le ranking banal avec les items, là où vous pouvez récupérer dans le top 10. Un simple skin event état. Là, c'est pareil, on a les deux packs que j'ai pris. Alors, il n'y a pas forcément de décoration ou de trucs sympathiques. Il y a toujours les speed up, les accélères, les boosts, les tickets de skin. Donc c'est toujours des packs qui sont très intéressants. Ensuite, tout simplement, bon, vous avez juste à appuyer. Je vous le redis encore une fois, ne le faites pas. Là, je ne vous le fais pas pour que vous ne voyez que moi aussi, pour que vous puissiez voir que moi aussi, je ne le fais pas. Alors, on va aller le faire. On va s'arrêter au niveau 10 pour aller récupérer les petites caisses, c'est la petite particularité de ce skin event. Comme ça, on va pouvoir voir ça ensemble. Donc, hop, allez, on envoie. Mais attendez absolument le dernier jour. Le taux de drop sera meilleur. Vous allez faire forcément beaucoup plus de points que si vous donnez tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça ne sert à rien. Attendez le dernier jour. Quand l'event est fini, il y a toujours une journée supplémentaire derrière pour aller utiliser vos items, vous les utilisez le dernier jour. Le top drop sera beaucoup plus important. Croyez-moi, faites-moi confiance. Dans tous les cas, vous n'y perdez rien à attendre. Donc, on va aller jusqu'au niveau 10. C'est super lent. D'habitude, t'es plus rapide, mon pote. Hein. Allez, dernier niveau. On va juste aller récupérer la caisse. Comme ça, je vais vous montrer. On fera une autre vidéo spécialement pour la statue de Sakura qu'on récupère ici avec les caisses. Allez, le niveau 10. Hop, basta. Merci. Et on récupère la caisse. C'est tout ce qui nous intéressait. Il n'y en a pas d'autre. Donc maintenant, il faut attendre le dernier jour. Vous emmagasinez des récompenses, des items. Et le dernier jour, vous les utilisez. Donc, à part ça, vous avez possibilité, donc la statue, vous avez une statue que je vous montrerai tout ce qu'il y a à propos de la statue dans une autre vidéo qui sera quelques temps juste après. Donc vous avez la statue. La statue, vous avez cette page-là qui est par rapport à la statue. On verra ça dans l'autre vidéo. Ensuite, sur le skin event à proprement parler, vous avez votre soft habituel avec les fragments, le ranking, les récompenses, les 100 fragments pour le top 1, les détails, donc faites bien attention si je dis pas de bêtises. Vous avez, où est-ce que je l'ai vu? Non, ils l'ont enlevé. Ah si, voilà, jour 6, utilisation pour augmenter l'avion, et si je dis pas de bêtises, il y a un autre jour, le jour 3. Jour 3, jour 6, en tout cas pour sur l'état 21 et ceux qui sont sur la même zone que moi, jour 3, jour 6, faites attention, vous avez l'aircraft. Ensuite, notre petit démon habituel, on va aller le faire ensemble. Encore une fois, je vous remontre, pour moi, la meilleure team. Donc normalement,
la majorité ont ces héros. Si vous l'avez, les avez pas encore en dessous de H, honnêtement, Cuisto, je pense qu'il est meilleur que Nanami. Et en Rider, je mettrai Candy. On mettrait Candy, mais normalement vous avez tous Maddy ou vous avez Becca minimum. Donc non, on resterait comme ça. En tout cas, là, la team comme ça, pour moi, en one shot, on y va. Tout simplement, comme d'habitude, en mode manuel. Et basta, vous laissez faire. Vous enlevez le mode automatique. Et en vitesse x3, vous laissez faire. Vous n'avez rien à faire. Et vous allez voir, ça va la terminer en un seul coup. Basta, pas besoin d'utiliser 15 000 endurance pour aller le taper. Et si jamais vous n'avez pas des collègues pour vous aider, au moins, vous le finissez tout seul. Et ça fait un moment, donc c'est pas parce que je suis maxé que je le termine. Une grosse majorité de tous les players peut le terminer comme ça, en one shot avec ses 3 héros. Basta. 164 et des poussières 167. Et basta. Fini. Ni plus, ni moins. Ensuite, sur Not Skin Event, vous avez ceci qui apparemment ne se réinitialise pas tous les jours. Je l'essayerai aussi, je verrai. J'ai déjà eu des retours des états 365 qui l'ont. Et apparemment, ça ne se reset pas. Donc là, vous avez le temps, vous avez cette semaine. Ni plus, ni moins. Ensuite, voilà ce qui va se passer. Donc, vous pouvez échanger des caisses pour récupérer la statue de Sakura de Nanami, qui se construit avec des petits tickets qu'il faut récupérer et qu'il faut évoluer. Tout ça dans la vidéo, je vais faire une vidéo vraiment que pour la statue. Maintenant, que faire de ces deux skin events? Vous avez le skin que vous récupérez avec les 400 000 biocaps de rechargement. Et le deuxième skin que vous allez récupérer avec le top 10. Ces deux skins-là, vous allez pouvoir les échanger contre le gros skin. Mais on n'a pas la possibilité de gagner les deux. On n'a pas la possibilité de gagner trois petits skins. Et donc de repartir avec nos deux skins comme on fait habituellement. Donc honnêtement, pour des gros cash players, il n'y a peut-être pas forcément besoin de jouer le skin event. Il y a les plasmas qui vont arriver, il y a tout qui va arriver. Donc honnêtement, quel est l'intérêt d'aller jouer ça, de dépenser énormément juste pour gagner 0,5%? Parce que au final, vous allez échanger deux petits skins, donc vous en payez un. Le deuxième, vous allez le gagner, mais c'est le même, donc vous pouvez en mettre qu'un seul. Vous avez 2,2%. Vous allez payer pour être dans le top 10, si vous devez payer en plus, pour récupérer juste échanger deux skins pour en récupérer un à 2,5. Donc au final, pour ceux qui vont recharger les 400 000 biocaps en 2 semaines, vous allez récupérer les 2%. Donc vous allez jouer le ranking juste pour récupérer 0,5 en plus et un magnifique skin. Vraiment magnifique, il n'y a rien à dire. Il est magnifique. Moi, je vais le jouer personnellement. Mais voilà, autant prévenir, il vous suffit... Alors, simplement, c'est un petit mot, mais il vous suffit juste de recharger pour 400 000 biocaps et vous avez le skin Sakura. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura aidé. Nous, on va se retrouver une prochaine vidéo. Très peu de temps, je vais la balancer quelques heures après celle-ci. Où on va voir comment on monte la statue, la hub, etc. On va aller ouvrir. J'ai déjà quelques caisses, il y en a 13. On va aller en échanger. On va aller en échanger, c'est ici, si je dis pas de bêtises. Je vous montrerai tout dans la prochaine vidéo. Là où il y a possibilité d'aller les échanger, d'en prendre d'autres. Donc on verra tout ça dans la prochaine vidéo. Bon, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, une bonne journée. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!